Bah pour ma part, j'en ai été fort dégoûté par les odeurs de fumée que je peux ressentir souvent. Mais je crois qu'il faut avoir une certaine présence d'esprit pour refuser. Bah j'ai déjà eu envie d'essayer pour voir ce que ça faisait, pourquoi tant de gens essayaient, mais j'ai toujours résisté. Moi, on m'a déjà proposé de fumer. Oui, on m'a déjà proposé, donc en soirée ou bien à la sortie de l'école, on peut à tout moment avoir l'occasion de fumer une cigarette. Non, moi dans ma famille, personne ne fume, du moins dans ma famille proche. Donc personne dans mon entourage ne fume. Les occasionnels, par convivialité, par exemple, si ma mère a mis triste et tout ça, je vais fumer de temps en temps une cigarette avec elle. Mais je suis pas accro à la cigarette, quoi. Enfin, c'est mon avis personnel, mais je ne crois pas que la famille influence. Je crois que c'est plutôt les amis. Mais j'ai pas envie de commencer la cigarette, je peux arrêter quand je veux, c'est plus par convivialité. Ou comme sortir en soirée, tout ça, entre amis, dans les soirées, une cigarette de temps en temps, quoi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent, mais qui n'arrivent pas à arrêter. Même s'ils le veulent, je pense qu'ils sont trop accro. Des personnes qui sont vraiment accro et qui ne peuvent plus du tout s'en passer, souvent, c'est dans les phases terminales d'un cancer déclaré qu'ils disent... Donc voilà, je n'aurais pas dû commencer, surtout ne commence jamais. Ben moi, comme ma tante, oui, parce que je sais que maintenant elle a beaucoup de problèmes pour arrêter, qu'elle doit arrêter pour sa santé. Et oui, donc elle regrette beaucoup et mes grands-parents aussi regrettent d'avoir commencé. Je suis asthmatique depuis que je suis tout petit, mais bon, maintenant ça se résorbe un peu. Donc on m'a toujours déconseillé de fumer, autrement je pouvais plus gravement malade pour avoir un cancer et tout ça. Plus qu'une personne normale. Le sport et la cigarette, ça fait deux. Hein. Moi, étant une sportive de haut niveau, j'ai jamais fumé parce que je sais très bien quels effets ça a sur ma condition physique et donc j'en ai pas besoin. Je dois avouer que ça fait 5 ans que je suis nageur de haut niveau et là, je me sens bien, quoi. Je me sens moi-même quand je suis dans l'eau et me voir avec une clope au bec, ça me tue. Quoi. Je ne peux pas imaginer, c'est tuant. Et en plus, on remarque que j'ai des potes dans la piscine qui se traînent dans l'eau et qui ont l'air comme ça tout mou. Et quand je leur demande est-ce que tu fumes, ils me répondent toujours ouais, ça fait. J'arrive pas à m'arrêter. Et puis moi je les regarde, je fais. Tu sais que tu pourrais gagner 1500 euros par an. Allez, je veux dire, c'est la crise, il faut penser à ses économies. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatellite.be.